te faire l'introduction à l'exercice principal de la semaine. Donc, c'est en parfaite continuité avec la présentation que Jerry vient de faire pour cette journée. Et pour cette session, je ferai une présentation de l'exercice qui vous a été envoyé dans les liens à travers les Slack que Agnew a mis dans les Slack tout juste avant à la pause. Donc, vous allez travailler là-dessus au cours de l'académie. Et dans cette semaine aussi, dans cette session, je passerai en revue la première partie de ce fichier Excel. Vous pouvez soit les remplir au fur et à mesure, soit les laisser en suspens pour plus tard dans la semaine. Mais est-il vraiment important que vous fassiez ces petits exercices qui vous permettra d'avoir une vue claire concernant la programmation des à planifier dans le domaine du tracker. OK. Continue. Les objectifs de l'apprentissage de cette session, c'est que les parties de faire connaître les facteurs lui de lancer votre projet tracker parce que ce soit les trackers ou bien d'autres projets, il est important que quand on veut se lancer dedans, il faut avoir une idée claire sur ce que nous entend, voir le contour de la chose pour planter bien les décors afin que le projet soit une réussite. Donc, ensuite, avoir une bonne compréhension des conséquences d'une mauvaise évaluation de l'étape de préparation de votre projet, quelles sont les complications qui peuvent apparaître. Si le projet n'est pas bien planifié, s'il y a certains éléments qui n'ont pas été pris en compte, ça peut avoir des répercussions, notamment sur tel ou tel volet. Donc, on va en parler aussi. Donc, enfin, il y aura l'introduction de l'exercice de la semaine. OK. Donc, comme je l'ai dit, ceci est vraiment lié à la présentation précédente de cette journée. Et vous devez réfléchir à ces aspects avant de vous lancer sur votre projet. Et dans les sessions ultérieures, les participants mieux comprendre ces différents aspects. Donc, le premier élément, c'est qu'il est mieux de se poser certaines questions. Quel est l'objectif final de l'adoption de votre tracker? Et pensez aux structures de soutien informatique par rapport à l'exécution des tâches. Aussi voir les volets connectivité et les matériels nécessaires pour pouvoir mener à bien votre travail. Et aussi voir comment est organisé le système de soins de santé que vous allez soutenir avec votre tracker. Ça, c'est un élément très, très important parce que si on ne maîtrise pas l'organisation, la coordination du travail autour du programme que vous voulez soutenir, ça sera un peu compliqué dans l'application. Donc, ensuite, il y a une autre question concernant les systèmes d'information existants avec lesquels votre programme tracker doit interagir, comme par exemple les possibilités d'interopérabilité avec d'autres systèmes qui évoluent dans les mêmes domaines que vous voulez faire, pour qu'il y ait beaucoup plus d'informations disponibles. Et enfin, la confidentialité, qui est un élément qui est en train de venir à grand galop avec l'électronisation de la collecte de l'information. Donc, pour traiter cette session, il y a deux intervenants qui vont partager leur expérience avec nous, notamment Ismaël Mali à travers Dr Ismaël Dembélé, qui va nous partager la mise en place du tracker au niveau du Mali, l'expérience qu'ils ont par rapport à la mise en place des projets tracker. Et en deuxième position, il y a la RDC Tiketo qui va nous faire l'économie de la mise en place du tracker au niveau de la RDC. Donc, sans plus tarder, si Ismaël est là, connecté, il a la parole et je vais arrêter mon partage pour lui permettre de partager son écran.
Ismaël. Oui, je pense qu'il avait un problème de connexion. Il vient d'arriver. Ismaël? Oui, bonjour. Bon? Je m'excuse. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon. Oui, allô? Oui. Ismaël, on te reçoit. OK. Nous te laissons la parole. D'accord. Donc, merci beaucoup. Je remercie Jerry pour la brillante présentation et puis les académiciens pour l'effort consenti jusqu'à présent. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le partage de l'expérience du Mali concernant toujours les cas traqueurs. C'était avec les COVAX. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir la mise en place du tracker, l'expérience du Mali. Et je ne sais pas si vous voyez mon écran. Monsieur Doigt. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais tu n'es pas en mode diaporama. Je ne suis pas en mode diaporama. Attends, excusez un instant. Le son n'est pas un peu bien audible. Le son n'est pas audible aussi, jusqu'à présent. Oui, ça s'améliore un tout petit peu. Oh, ok, ok. Donc, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc, non, comme je le disais. Voilà, ça va le son. Voilà, comme je le disais, c'est l'expérience du Mali que nous allons présenter concernant la mise en place des trackers. Donc, il faut savoir que le tracker a été déployé comme la base agrégée au Mali il y a de cela 5 ans, c'est depuis en 2016, le Mali a adopté le DHFU et les deux domaines ont été adoptés en même temps, le tracker et la base agrégée. Et nous sommes à tous les niveaux, le tracker du Mali est déployé jusqu'au niveau inférieur, donc toute l'étendue du territoire est servi avec l'instance tracker. Donc, depuis là, il y a eu des premiers ateliers de paramétrage pour le programme tracker, comme je l'ai utilisé en 2016. Ça concernait, en son temps, c'était la vague Ebola. Donc, il y avait le programme suivi contact Ebola. Après, les formulaires de notification et l'investigation des cas de méningite, la rougeole, la fièvre jaune et le choléra, pour ne citer qu'ici. Donc, il faut reconnaître que le tracker est utilisé jusqu'au niveau périphérique, c'est-à-dire les CSCOM, et au niveau des sites ASC, les agents de santé communautaires. Donc, tous les systèmes du Mali exploitent les trackers à ce jour. Donc, il y a aussi avec le temps, vers 2018, la mise en place des registres électroniques de vaccination et de suivi grossesse. Je pense que je ne vais pas mettre la charrue avant les pieds. Il y a le ministère de la Santé, à travers le docteur Wassa Berti, qui aura le plaisir de vous exposer ça dans les moments à venir, parce que ça fait partie de l'agenda. Aussi, il y a eu les paramétrages des trackers, des formulaires pour les maladies tropicales négligées et pour les registres communautaires. Donc, comme on l'a dit, l'objectif final du tracker pour le Mali, c'est de pouvoir suivre chaque cas et améliorer la qualité des données et abandonner plus tard les copies dures pour que chacun puisse faire les saisies directement sur les trackers. Donc, comme structure informatique, il faut reconnaître qu'au Mali, la CPS, c'est-à-dire la cellule de planification des statistiques, statistiques, secteur santé, développement social et promotion de la femme, et la DGSHP à travers le CDPFIS. La DGSHP, c'est la Direction générale de la santé de l'hygiène publique. Donc, il y a les centres qui est là-bas, les centres de documentation, de planification, de formation et d'information sanitaire. Ce sont les structures centrales du ministère de la Santé qui suivent la dynamique de la plateforme d'HSU.
entre autres les migrations sur les versions futures, les nettoyages en cas de l'ouvert de la base et des questions d'interopérabilité avec d'autres logiciels de collecte de données. Et ces deux structures apportent encore une assistance aux acteurs terrain, en plus des cadres qui sont dans les régions, les chargés de surveillance épidémiologique et les chargés du système d'information sanitaire. Donc, il faut reconnaître qu'au niveau du système de santé du Mali, qui est pyramidal, comme je l'avais dit, le niveau national coordonne le tout, mais au niveau intermédiaire, avec les directions régionales de santé, il y a aussi des chargés SIS, des chargés surveillance, qui maîtrisent des sous, qui sont utilisés aussi comme des pôles de formateurs de proximité, qui vont donner souvent les mises à jour au niveau des SESCOM. Donc, j'ai dit que ces deux structures ont des super administrateurs. Comme vous le savez, DSSU, c'est comme c'est des étapes, c'est des étagères. Il y a les utilisateurs terrain qui ont des droits d'accès. Après, il y a des consultants aussi qui ont des droits d'accès. Il y a les administrateurs qui ont des droits limités. Et il y a les super administrateurs qui n'ont pas de secret envers la base. Donc, tout ce qui concerne modification, manipulation, tout ce qui concerne la maintenance de la base, c'est les super administrateurs qui sont vraiment indiqués pour ça. Donc, auprès de ça, il y a aussi l'assistance technique des HISP, que ce soit au niveau local, parce qu'il y a les bureaux HISP du Mali qui accompagnent les ministères. Ensuite, il y a les bureaux de coordination à Lomé, où les Agno, Idem, Suleiman, il y a Djeri, Moké, Lasakibou, pour ne citer qu'ici, apportent vraiment une assistance, sans oublier les maîtres du serveur Clément, qui apportent une assistance vraiment accrue chaque fois qu'il y a besoin de se faire servir. Comme vous le savez, bien vrai qu'il y a des super administrateurs, mais souvent les gens n'ont pas les mêmes occupations. Si il y a un besoin urgent tout de suite, et c'est peut-être que les deux administrateurs du Mali sont un peu occupés, ou bien sont en déplacement, ou bien sont dans un lieu où il n'y a pas la connexion qui est stable. Donc, nous sommes sollicités en ce moment pour essayer d'apporter cette assistance. En plus, il y a une trentaine d'administrateurs, comme je l'ai dit, après les utilisateurs terrain, les consultants, les super administrateurs, il y a une trentaine d'administrateurs qui sont répartis entre les différentes structures et programmes pour répondre aux sollicitations des utilisateurs terrain. Et pour dire qu'au Mali, DHS2, ce n'est pas comme un bois sacré où une seule personne ou une seule entité se monopolise. Non, non, non. Et toutes les structures centralisées impliquées dans la gestion des données de routine, dans la gestion des campagnes, à travers la CPS, à travers les CDPFIS de la DGSHP. Donc, il y a les programmes aussi qui ont des administrateurs. Il y a aussi les autres structures qui sont au sein de la DGSSP, comme les programmes PEV, tels que la direction, la sous-direction, division, établissement sanitaire, et l'hygiène, nutrition. Donc, tous les domaines ont des administrateurs pour essayer de voir les indicateurs et souvent les changements qui comportent pour la base. Aussi, concernant toujours le soutien informatique, il faut reconnaître que les partenaires comme l'USAID, l'UNICEF, PCI, l'OMS, le Fonds mondial, pour ne citer que ceci, appuie considérablement les pays pour la dotation en équipement informatique. Donc, la mise à jour du parc informatique s'est faite d'une manière séquentielle, parce que comme vous le savez, l'ordinateur, les tablettes, il y a une durée de vie, même si la durée de vie souvent c'est entre 3 à 4 ans pour une bonne fonctionnalité, il y a certains qui peuvent, par erreur ou bien par accident, l'ordinateur peut tomber ou la tablette peut tomber. Donc, chaque fois, il y a des besoins de renouvellement du parc informatique. Donc, le parc informatique est mis à jour d'une manière séquentielle. Donc, pour la connectivité et le matériel, il faut reconnaître que toutes les formations sanitaires sont dotées en ordinateur et certaines en tablette pour la saisie des données en on et en offline. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des formations sanitaires du Mali, il y a des équipements informatiques. D'autres ont des ordinateurs, d'autres ont les deux, ordinateurs et tablettes. Donc, la majorité des formations sanitaires aussi ont un circuit électrique public, tel que la Société d'électricité du Mali qui est là, l'EDM, l'énergie du Mali, ou bien des circuits
qui sont communautaires comme la Madère. Donc, la majorité des formations sanitaires sont abonnées à ces circuits-là. Ou si c'est un peu éloigné au niveau périphérique, les milieux ailleurs, il y a des panneaux électriques pour essayer d'avoir de l'électricité. Donc, il faut reconnaître aussi que chaque site possède aussi des matériels de connexion et en fonction de la présence du réseau téléphonique, soit c'est des clés 3G, soit c'est des clés de sous-box, soit des 4G. Donc, ces appareils sont alimentés en forfait de connexion par les acteurs localement. Donc, à noter que dans certaines zones, la connexion est instable faute des réseaux téléphoniques. Donc, concernant l'organisation du système de santé au Mali, comme je le disais tantôt, le système de santé du Mali est organisé sous forme de pyramide. Il y a d'abord le niveau opérationnel où on trouve les sites AEC, les sites d'agents de santé communautaire. Ensuite, les CESCOM, les centres de santé communautaire, les CCRF, qui sont aussi des centres de santé de référence. Tout ça, c'est au niveau opérationnel. Et leur mandat, c'est la collecte. Bon, après les soins, bien évidemment, parce que tout est basé sur les soins. Après les soins, il y a aussi la collecte des données, la compilation et l'analyse des données qui se font à ce niveau. Donc, pour la question concernant la fréquentation des centres, il faut reconnaître que la fréquentation des formations sanitaires est conditionnée souvent à la saisonnalité et aussi à la densité de la population de l'aire de santé, souvent à la qualité des ressources humaines. Comme vous le savez, pendant la période hivernale, les centres sont beaucoup plus fréquentés à cause des épisodes de pali. Pendant la période de froid, il y a aussi les IRA. Donc, en fonction de la saisonnalité, la fréquentation varie et aussi la densité de la population. Une aire de santé qui a 5 000 habitants, une aire de santé qui a à peu près 25 000 habitants n'ont pas les mêmes fréquences de soins à donner à la population. Et aussi, souvent, il faut le dire, la qualité de la ressource humaine. Dans les CESCOM, souvent, où il y a des médecins, si la ressource humaine est qualifiée, ça favorise aussi la fréquentation du centre. Donc, les données sont collectées à travers le support primaire, puis saisies dans les DSSU. Je pense qu'il y a des questions qui ont été posées lors de la présentation du frère Thierry concernant les saisies en ligne directement. Et souvent, ça peut se faire, mais pour le cas du Mali, il y a des formulaires, il y a des fiches de notification des cas de maladie. Donc, ce sont ces formulaires-là qui sont saisis d'abord, qui sont des supports primaires après, et ils sont saisis dans les DSSU. Donc, nous notons aussi que le tracker communautaire est en pilote au Mali et sera mis à échelle prochainement. Donc, toujours pour l'organisation du système, le deuxième niveau, c'est le niveau intermédiaire, là où on retrouve les directions régionales de la santé, les hôpitaux. À ce niveau, ce sont les analyses qui se font. Et après les analyses, il y a le suivi des indicateurs et l'utilisation des données et des prises de décision. Parce que c'est un niveau stratégique où les décisions sont prises pour l'amélioration de la qualité des soins, de la qualité des données. Donc, le troisième et dernier niveau, c'est le niveau central appelé niveau national où on retrouve la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Il y a la CPS, cellule sectorielle, cellule de planification des statistiques, le ministère de la Santé, parce qu'il y a beaucoup de cadres du cabinet qui suivent les données au jour le jour. Il y a les universités et il y a aussi les bailleurs, les autres partenaires. Donc, à ce niveau, ce sont les analyses, le suivi des indicateurs et l'utilisation des données pour les prises de décision. Donc, concernant les questions d'interopérabilité, il faut reconnaître qu'au Mali, à ce jour, l'interopérabilité est seulement avec la base de données agrégées. Les trackers communiquent aujourd'hui avec seulement la base de données agrégées du Mali. Il n'y a pas d'autre interopérabilité pour les trackers. Mais pour les futures interopérabilités, il y a des applications qui ont été développées par certaines ONG telles que l'ONG Mousseau. Et non, c'est l'application agent de santé communautaire et l'application des superviseurs dédiés. Donc, nous prévoyons de faire une interopérabilité entre ces données parce que c'est les données de suivi individuel aussi. Donc, ce sont des outils développés dans le domaine du tracker. Dans la politique de confidentialité, il faut reconnaître que la protection des données, leur sécurité et la confidentialité sont bien détaillées dans les procédures, dans les manuels de procédures d'échange des données que les pays ont mis en place depuis 2016, depuis l'avènement des DSSU. Hier, Nazam avait posé la question concernant
l'utilisation des numéros de téléphone par certaines personnes. Donc, ça répond un peu à sa question d'hier. Les données sont sécurisées et sont confidentielles. Mais il faut reconnaître, ça peut souvent être dû au comportement des agents. S'ils ont accès au numéro de téléphone et leur donner à d'autres personnes, ça, ce n'est pas dû à une question du système, mais c'est une question personnelle, une question humaine. Donc, ça peut être géré au cas par cas. Donc, il y a aussi l'existence d'une agence pour la protection des données à caractère individuel. Donc, voici un peu quelques captures des dashboards tracker. Ça, c'est la page de saisie pour l'accès des programmes, pour les trackers suivis, la base de production. Donc, vous voyez, c'est juste quelques programmes qui s'affichent. Sinon, on a beaucoup de programmes qui sont paramétrés dedans. Donc, ça, c'est les premiers trackers. Et le deuxième tracker, comme on le disait, c'est le tracker COVID. Donc, c'est un tableau de bord pour la gestion des données COVID. Donc, c'était les deux captures. Comme difficulté pour les trackers au niveau du Mali, nous avons collecté et ressenti quelques difficultés. Et la première, d'abord, c'est la lourdeur et une demande de connexion stable. Comme Jerry le disait dans sa présentation, le tracker, c'est très lourd. Donc, ça demande aussi une connexion stable. Si vous n'avez pas une connexion très stable, ce sera difficile pour vous d'avoir accès aux différents stades de votre tracker. Sinon, vous allez trop durer pour la saisie. Aussi, le remplissage, ça nécessite du temps. Comme on le disait, quand vous avez un formulaire où il y a à peu près 5 stades ou 6 stades, vous devez passer à peu près 5 à 10 minutes sur chaque stade. Vous voyez ce que ça fait si vous avez beaucoup de données à renseigner. Ensuite, la non-maîtrise par tous des acteurs du terrain. Donc, au jour d'aujourd'hui, le DSSU est maîtrisé par module, par application et par domaine, tel que la base agrégée. C'est totalement maîtrisé par la majorité des acteurs. Mais il faut reconnaître que les trackers vivent les difficultés que nous avons dit, problèmes de connexion, nécessité du temps. Donc, il y a beaucoup d'acteurs du terrain qui ne maîtrisent pas beaucoup les trackers. Donc, là où il y a les difficultés, il y a aussi des points positifs. Donc, nous avons quelques points positifs du tracker. Comme vous le voyez, il y a la maîtrise de la plateforme DHS2 par les acteurs du Mali, la base agrégée et la base tracker. Et ça, c'est au niveau national. Mais au niveau inférieur, ça demande aussi un suivi des chargés CIS et des chargés surveillance. Comme point positif toujours pour le Mali, le tracker permet le suivi individuel des patients. Je pense que ce n'est pas le Mali seulement, c'est tout le monde entier, parce que c'est ça aussi la valeur ajoutée du tracker. Ça évite les données agrégées. Donc, la saisie des données en offline version Android. Comme je le disais, les zones où il y a des tablettes, donc on peut faire la saisie des données en offline. Et après, la synchronisation va se faire pour que la base puisse collecter les informations. Comme autre avantage, on le dit au niveau du Mali au jour d'aujourd'hui, les trackers fonctionnels sont les trackers de surveillance basés sur les cas, les CBS, les trackers COVID. Il y a les registres électroniques de vaccination et de suivi grossesse que le docteur Wassa Berthier va présenter lors de cette académie. Donc, pour les autres trackers en cours, il y a le tracker VIH, ça fait partie de la planification du pays pour avoir un tracker VIH fonctionnel et opérationnel, un tracker TB. Et il y a le tracker communautaire qui existe déjà, je l'ai dit en haut, donc ce sera la mise à échelle pour les futurs périodes. Donc, voici un peu ce que l'équipe du Mali a pu collecter pour vous comme information, vu les facteurs. Il y avait beaucoup à mettre, mais on a voulu vraiment prendre l'essentiel. C'est l'occasion aussi toujours de remercier la Direction générale de la santé à travers le CDPFIS, la CPS et les autres cadres qui sont en ligne, les AOI, les Djibri, les Massa, le collègue Maïga et les autres collègues qui sont à Togo et Alice aussi. Donc, s'il y a des questions de compréhension, nous sommes disponibles pour les répondre ou bien des points d'éclaircissement. Nous sommes vraiment disponibles et bonne journée à tous. Je vous remercie. Suleiman, à vous. Merci, Ismaël. Merci pour cette belle présentation à travers la coordination au niveau de l'équipe du Mali.
entre ISPO Mali et la partie gouvernementale. Merci vraiment pour la présentation. Et si vous avez des questions, il y a Slack, vous pouvez les faire directement au niveau des Slack. Donc, Ismaël et toute l'équipe technique au niveau du Mali se feront le plaisir de répondre à vos questions. OK. Donc, comme je l'avais annoncé, il y avait deux intervenants, à savoir le Mali et la RDC. Si Patti est prêt, il peut prendre la parole pour partager la mise en place au niveau de la RDC. Patti. À toi. Merci pour la parole, Souleymane. Vous voyez mon écran? Oui, nous voyons. L'examen de l'évaluation de l'état de préparation pour le cas de la RDC. L'objectif final pour l'adoption du tracker. Ici, nous allons plus mettre l'accent sur les trackers qui a marché, je dirais, en RDC, ici, qui est là-bas, qui est les paquets COVAX, parce qu'avant, il y a eu le tracker pour Ebola. C'était une expérience qui n'avait pas vraiment abouti au résultat. Donc, je ne parlerai pas vraiment de ça. Il y a eu aussi un tracker pour le suivi des cas pour la COVID avec Blue Square. Ça aussi, je ne vais pas parler de ça. Je vais plutôt parler du tracker qui a été mis en place avec le paquet COVAX, c'est de ça que je vais plus m'accentuer. L'objectif final pour ce tracker, c'était plus de constituer une base de données fiable sur les informations personnelles des personnes ayant été vaccinées et qui cela pouvant aboutir à la génération automatique d'un carnet électronique de vaccination. C'était ça l'objectif final pour l'adoption de ce tracker. En ce qui concerne la structure des soutiens informatiques. En fait, jusque-là, en RDC, le ministère de la Santé ne possède pas encore d'infrastructure adéquate qui permettrait d'avoir nos serveurs sur place ici au pays. D'où les serveurs DHST sont sur cloud et gérés par BAO. Au vu de la quantité de données que la RDC produit, les trackers ont une instance dédiée pour ne pas chercher à surcharger davantage l'instance sur laquelle les données des SNIS sont saisies. En plus, dans les soucis d'améliorer les choses au niveau du ministère de la Santé, il y a actuellement un nouveau ministère qui a été mis en place dans le nouveau gouvernement, qui est le ministère du numérique. Il a reçu mandat de mettre en place dans les pays un data center unique pour tous les ministères. Par rapport à la connectivité matérielle, en fait, à la base, les données des SNIS, les données qui sont rapportées chaque mois dans les DHSD, sont saisies au niveau des zones de santé, bien que les canevans sont assignés au niveau des formations sanitaires. C'est pourquoi il y a eu un projet dans le sens appuyé par Gavi qui dotait les zones de santé des VSAT avec une connexion Internet par satellite, qui malheureusement aujourd'hui, la plupart de ces VSAT sont non fonctionnels. Et dans le cadre de notre paquet maintenant, les paquets que nous avons déployés sur l'environnement de production, le paquet COVAX, le choix des tablettes avec la carte SIM a été recommandé afin de pouvoir passer par des réseaux de télécommunications pour avoir une connexion Internet. Et en plus de cela, le choix des sites s'est fait basé sur l'ensemble d'équipements que possède un hôpital, y compris la couverture réseau aussi. Vu que le pays n'est pas totalement couvert entièrement par les réseaux de télécommunications.
l'interaction du tracker paramétré avec les paquets COVAC, avec d'autres systèmes d'information. Actuellement, dans les pays, il n'y a aucun système d'information qui synchronisera avec les trackers COVAC, puisque les choses ont été organisées de telle manière que les formulaires soient déjà disponibles les jours même du lancement de la vaccination. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé du système de santé de la RDC dans cette présentation. Je pourrais survoler cet aspect. En fait, le système de santé de la RDC est organisé de cette façon. En bas de l'échelle, nous avons des formations sanitaires auxquelles d'ailleurs les CANEVA de saisie des SNIS sont assignés. Ces formations sanitaires sont regroupées en aires de santé, en un espace géographique qu'on appelle aires de santé. Et ces aires de santé-là se trouvent dans la zone de santé qui gère toutes ces entités. C'est la zone de santé maintenant qui gère toutes les structures qui contient dans des espaces, dans des aires géographiques qu'on appelle aires de santé. Et les formations sanitaires, une fois qu'ils finissent de remplir, une fois qu'ils finissent de remplir les canevas papier, ils envoient les tout au niveau de la zone de santé, et c'est au niveau de la zone de santé que les saisies sont faites. C'est pourquoi, par rapport à la connectivité, Gavi a appuyé les pays par rapport à la mise en place des VSAT, afin de rendre disponible l'Internet dans des zones de santé. C'est dans ce sens-là. Et les zones de santé dépendent au niveau provincial qu'on appelle le DPS ici chez nous, les divisions provinciales de santé. Et les divisions provinciales de santé, eux tous sont attachés au niveau central qui est la République démocratique du Congo à travers son ministère de la Santé. C'est un peu ça en ce qui concerne les systèmes de santé de la RDC. Par rapport aux défis, les difficultés jusque-là que nous faisons face sont notamment l'absence des tablettes dans plus ou moins 64% des sites fonctionnels à ce jour où se déroule l'opération de la vaccination. Et dans d'autres provinces où on a lancé la vaccination, certains gestionnaires de données ne sont pas encore briefés par rapport à la saisie des données. Donc, c'est jusque-là les difficultés, les défis que nous avons jusque-là à relever. Et dans des sites à forte affluence, comme nous n'avons qu'un seul gestionnaire de données, c'est des fois difficile pour lui de tout finir en une journée quand les gens sont nombreux. Il arrive des fois qu'il ramène qu'il reste avec des registres remplis, mais qui ne sont pas encore encodés dans les DHS2, et il ramène le travail pour demain. Donc, ce qui, jusque-là aussi, impacte la complétude. Par rapport à la politique de la confidentialité, le pays n'a jusque-là pas encore mis en application une telle politique, mais il y a quelques initiatives déjà dans des contextualisations des textes. Donc, une politique de confidentialité par rapport aux données personnelles, il n'y en a pas encore pour le moment dans les pays. Donc, en gros, c'est ce que j'avais prévu de présenter aujourd'hui. Merci. Ok. Merci, Patty, pour votre belle présentation. Et je pense que c'est édifiant par rapport à ce qui se passe au niveau de la RDC sur la mise en place du projet Tracker concernant le volet que vous venez de présenter. Donc, s'il y a des questions pour Patty aussi, vous pouvez les poser au niveau de Slack. Ok.
Merci. Maintenant, je vais continuer avec les restes de ma présentation. Donc, pour faire un aperçu sur ce que j'avais présenté au départ et sur et pour donner beaucoup plus d'informations encore concernant la préparation du fichier qui vous a été envoyé pour exercice. Donc, je vous vois déjà certaines questions en ce sens, en Slack, mais la réponse dans la deuxième partie de ma présentation. Donc, au fait, les différents questionnements qui sont posés, c'est vrai que les différentes présentations de Ismaël et de Patty ont pris en compte et que vous avez compris certaines choses dedans, mais je vais encore donner plus d'informations là-dessus. Concernant le premier volet sur l'objectif, l'objectif de votre tracker. Donc, voici la toute première question à se poser pour déterminer si le tracker est la meilleure solution de résoudre votre problème. OK? Donc, quel est le problème que vous essayez de résoudre réellement? Donc, cela, par exemple, si vous voulez aller avec un système pour la collecte des informations, pour le suivi individuel des données. Oui, on peut dire qu'on peut adopter les trackers à ce niveau, mais si ce n'est pas dans ce cas et que c'est pour les rapportages des informations, uniquement concernant un volet, le volet agrégé peut être le mieux indiqué pour aller avec ça. Donc, il faut savoir depuis le départ que telle information que je veux collecter avec le volet tracker, est-ce que le tracker répond réellement à ce que je veux appliquer comme outil de collecte? OK. Donc, après cela, il faudrait réfléchir aussi à la portée et à l'échelle. Donc, combien y a-t-il d'utilisateurs dans les zones, dans votre site? Et puis, le nombre de zones géographiques que vous voulez couvrir, est-ce que vous voulez partir d'abord avec un nombre de centres de santé réduit vu le budget, ou bien est-ce que vous voulez partir avec ce nombre réduit de structures pour avoir la possibilité de gérer certaines petites complications en termes de configuration, avoir les retours de ces informations avant de passer à l'échelle. Donc, il peut être très intéressant de développer à une échelle réduite pour avoir la possibilité de maîtriser beaucoup de contours avant de passer à l'échelle. Donc, il y a aussi un autre volet. Qu'est-ce que le tracker que vous voulez remplacer? Qu'est-ce que vous voulez remplacer? Est-ce que la chose que les informations qui sont fournies par rapport à ces programmes bien spécifiques ne vous convient pas? Donc, si vous savez que cela vous convient et que vous pouvez les changer et que le tracker peut amener un autre appui, il est aussi intéressant de mentionner ça pour que ça soit clair pour vous-même. OK. Donc, ensuite, qui est demandeur du nouveau système? Ça aussi, c'est très important parce que est-ce que la demande vient du niveau local, par exemple au niveau district, au niveau de l'équipe technique du district? Est-ce que la demande d'aller plus spécifiquement à ces données de suivi individuel là vient du niveau intermédiaire tel que les équipes au niveau régional? Est-ce que la demande vient du niveau central ou bien est-ce que la demande vient des partenaires? Donc, il est important de faire la part de ces choses-là. Donc, que ce soit d'un ou de l'autre côté, si que la demande vienne de partenaires ou bien que la demande vienne du niveau opérationnel ou du niveau intermédiaire, il est important que ces acteurs se mettent ensemble pour une bonne coordination du travail. Et cela vraiment aura, parce que cela aura un impact sur la gestion des parties prenantes, par exemple, quels sont les acteurs qui doivent intervenir à tel ou tel niveau, ou bien quels sont les indicateurs clés que le programme veut choisir. Donc, il faudrait qu'il y ait un consensus sur ces indicateurs depuis le départ. Voilà. Donc, également, par rapport au flux de travail que ça va générer au niveau des structures de santé, tous les dispositifs existants, si ça va chambouler en termes d'amélioration de la charge de travail des acteurs, ou bien ça, si ça va amener une augmentation de la charge de travail, il faudrait que tout cela soit bien clair. Voilà. Ensuite, concernant les volets soutien informatique,
Il s'agit de savoir comment fournissez-vous actuellement les soutiens dans le cadre du système existant. Donc, si il existe des structures informatiques, c'est-à-dire la prise en charge du volet informatique au niveau national pour la coordination, ou bien si ce n'est pas un DHS qui est pour le pays et que c'est un DHS qui est pour une organisation. Donc, il est vraiment important de savoir la structure qui va apporter des soutiens informatiques en termes de personnel et des soutiens informatiques tels que les IT. Et également, comment comptez-vous soutenir ces projets tracker en matière d'informatisation? Donc, s'il y a des serveurs à acheter ou bien s'il y a du matériel à acheter, cela va naturellement impacté sur le volet budgétisation, sur le volet formation, c'est-à-dire l'appui des informaticiens à la maîtrise du volet tracker et également à la maîtrise du volet maintenance du serveur à long terme, à court et à long terme aussi. Donc, concernant les volets connectivité et matériel, ça prend en compte certains volets tels que l'électrification, parce que on a beau vouloir faire les travaux informatiques, si l'électricité n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Donc, quelle est la structure qui fournit l'électricité dans les zones ciblées? Quel est le matériel nécessaire là-bas? Si c'est les pays, la structure de gestion de l'électricité du pays qui est là, ou bien si c'est les structures même qui se prennent en charge par rapport à l'électrification, ou bien si au niveau périphérique, jusqu'au niveau des formations sanitaires, s'il n'existe même pas des dispositifs pour fournir l'électricité. Donc, il faudrait mieux savoir tous ces contours-là pour pouvoir prendre en charge la budgétisation. Est-ce qu'il faudrait mettre en place d'abord ces infrastructures pour la gestion de l'électricité avant de passer à la phase du tracker. Donc, ensuite, après l'électricité, il y a bien évidemment les volets Internet. Est-ce que la couverture Internet est là dans les pays? Est-ce qu'il y a des opérateurs qui fournissent la connexion Internet au niveau du pays? Est-ce que cette connexion Internet est fiable? Est-ce que c'est selon l'existant par rapport à la base de données agrégées qui existe ou bien si la base de données agrégées n'existe pas, pour n'importe quelle utilisation de votre Internet, est-ce que la connexion est fiable pour vouloir passer au volet tracker? Parce que comme mon collègue Jerry l'a dit au cours de sa présentation, ça demande beaucoup, beaucoup de connexion. OK. Donc ensuite, il y a le volet appareil qui intervient. Est-ce que c'est les laptops qui doivent être utilisés? Est-ce que vous allez utiliser les Android? C'est là aussi très important pour que vous sachiez les modes de saisie que vous allez privilégier. Par exemple, si la connexion Internet est fiable à votre niveau et que certaines structures dans la zone de pilotage ou bien à travers tous les pays et que la connexion est très bien et que l'électricité aussi est OK, les gens peuvent passer directement au volet et peuvent utiliser les laptops. Mais comme nous savons que dans nos contextes au niveau de nos pays africains, la connexion et puis l'électricité font souvent défaut. Donc, c'est pour cela que souvent il est bien d'aller avec les versions Android où la saisie offline est présente et existe et que les agents de saisie peuvent saisir les informations. Une fois qu'ils auront fini, ils vont et qu'ils sont dans une zone de couverture réseau, ils peuvent connecter les données saisies qui peuvent passer dans les serveurs directement. Donc, toutes ces informations que je viens de citer, tous ces volets que je viens de citer au niveau de la connectivité et du matériel aura un impact sur la budgétisation par rapport au type d'appareil choisi, voire avec les spécialistes de quel type d'appareil Android peut bien fonctionner avec les trackers. Ça aussi, c'est important parce que si vous ne prenez pas ça en compte depuis le départ, donc ça peut faire fausse note. Déjà que vous avez acheté vos appareils et qu'au cours de l'implémentation, au cours de l'application sur le terrain, vous vous rendez compte que ça ne marche pas beaucoup avec les trackers. Donc, ça,
ça va mettre dans l'eau vraiment de tout l'effort que vous avez fourni par rapport à ces volets appareils. Donc, également, par rapport au volet formation, il est intéressant aussi souvent de voir les volets connectivité parce que il faut se connecter d'abord au serveur pour avoir avoir accès à la plateforme. OK. Donc, vraiment, il est très important de prendre en compte ces volets connectivité et matériel et s'apesantir là-dessus pour que ça soit bien décrit sur papier. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'il y a lieu de faire par la suite. Ensuite, il y a les volets système de prestation des services sanitaires ou autres. En fonction du programme que vous allez appuyer. Donc, il est important de savoir comment les établissements de santé fournissent les soins et de s'apesantir sur les flux des patients, l'organisation du travail. Est-ce que la venue du nouveau tracker là va perturber leur travail? Est-ce que les agents ne vont pas se plaindre par rapport à ça? Mais même s'il y a la crainte que les agents peuvent se plaindre de ce flux de travail qui va un peu augmenter au début, il est important qu'ils soient rassurés par les acteurs que ça c'est fait pour que par la suite, ils soient moins chargés dans leur travail de tous les jours. Par exemple, quand on prend les domaines de la santé maternelle et infantile ou quelqu'un qui veut aller vers un registre pour la CPN et autres, le travail de la CPN tous les jours au niveau des formations sanitaires, on sait que dans certaines structures, il y a beaucoup de travail, mais il s'agira de voir est-ce que dans la gestion de ces flux de patients, n'est-il pas meilleur d'utiliser d'abord les registres de consultation où l'agent peut écrire très rapidement sur les registres et après passer à la saisie de l'information sur les trackers. Est-ce que, voilà, donc globalement, il faudrait prendre en compte ces volets flux de travail. OK, donc bien évidemment, cela aura un impact sur les volets entrée secondaire ou au point de service. Donc, c'est-à-dire que s'ils font la saisie de l'information de façon directe ou bien ils vont faire ça de façon différée. Donc, cela peut aussi amener à un autre volet, c'est-à-dire est-ce que le nombre de personnel qui est là va suffire pour faire ce travail? Est-ce qu'il n'y aura pas par la suite, comme dans certains programmes tels que les programmes VIH, où il y a des opérateurs de saisie qui sont recrutés. Donc, tout ça, il faudrait voir pour que ça soit bien planifié avant le départ. Maintenant, concernant les volets politiques de confidentialité, c'est avec l'électronisation des outils de collecte maintenant que ce concept revient particulièrement. Il faudrait voir est-ce que les pays disposent des politiques ou des législations en matière de collecte des données sensibles individualisées? Est-ce que les pays disposent d'une politique ou une législation en matière de partage des données individualisées entre les structures? S'il y a une politique de confidentialité, par exemple, entre les structures d'un district ou bien les structures à l'intérieur d'une région? Voilà, donc... Et cela aura un impact par rapport à l'hébergement du serveur ou bien par rapport à la sécurisation et aussi à la formation. Le volet formation est très, très intéressant à ce niveau parce que pour la confidentialité, les maintenanciers par rapport au serveur peuvent être formés à la sécurisation des protocoles pour la sécurisation de votre serveur. Donc, il est important de mettre à profit et de mettre sur papier toutes ces informations avant de se lancer. Donc, il se peut aussi que des gens ont déjà commencé à faire des projets trackers, mais qui n'ont pas pris en compte tous ces aspects. Donc, l'importance de cette académie ici, c'est de vous donner les informations utiles et les matériels nécessaires pour que vous puissiez rattraper certains aspects et certains concepts qui pourront vous aider à mieux vous en sortir pour la réalisation de votre projet.
OK. Donc maintenant, par rapport au volet interopérabilité, c'est aussi important. Il faudrait réfléchir sur le pourquoi de l'interopérabilité et le pourquoi de l'interopérabilité. Pourquoi vous voulez aller vers cette interopérabilité? Car cela va soutenir un effort et un coût qui est caché derrière. Donc, il vous suffira de vous poser la question, est-ce que le fait d'aller vers cette interopérabilité vaut la peine? Voilà. Donc, car les modifications apportées à un système souvent peuvent avoir un impact sur les autres systèmes. OK? Donc, quand cela arrive, les renforcements de ce système, de ce nouveau système et le système DHS2, qui est le système récepteur, va obligatoirement, il faudrait prendre ça en compte dans le volet budgétisation et avoir une idée là-dessus. Voilà, même si vous n'avez pas tout l'argent nécessaire à votre portée, il faudrait que ça soit bien planifié pour que ça soit bien traité. Donc, de façon globale, la planification, l'évaluation de ces différents aspects vous permet d'avoir des assises nécessaires, la base nécessaire, les contextes nécessaires pour vouloir partir dans la spécification des autres volets que nous allons voir tout au cours de cette académie. OK. Donc, voilà, la présentation est finie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au niveau du Slack. Et je vais aller rapidement dans le Slack aussi pour voir s'il y a déjà des questions qui sont là que je peux répondre. Merci. OK. Suleiman, il y avait des questions qui avaient été adressées à l'équipe du Mali. OK. Voilà. Oui, je suis au niveau des Slack, donc tu peux aller rapidement. Des temps que je fasse le tour aussi dans Slack. Voilà. Défaut Paul avait demandé si les formations sanitaires du niveau intermédiaire rendent compte à l'équipe cadre du district. Donc, on a répondu que c'est tout à fait. C'est pourquoi nous parlons des pyramides sanitaires. C'est-à-dire c'est de la base au sommet, tout est lié. Donc, le niveau inférieur rend compte toujours à son niveau N plus 1. Donc, là, au Mali, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, il y a Banya Bato qui avait posé la question si, concernant les avantages et l'efficacité de la saisie offline avec les tablettes. Au jour d'aujourd'hui au Mali, la saisie offline, ça marche bien, ça marche très bien, sauf si les gens qui ont perdu leur tablette ou qui ont des problèmes avec leur tablette et qu'ils n'ont plus les métadonnées qui sont sur les nouvelles tablettes. Donc, c'est le téléchargement des métadonnées qui peut causer un peu de problèmes. Sinon, si les métadonnées sont bien téléchargées, les saisies peuvent bien se faire en offline et les données seront synchronisées au moment voulu. Donc, Fouillé Camilla avait demandé aussi qu'est-ce que veut dire la CBS. Comme on l'a dit, c'est quasi basé sur surveillance. C'est une surveillance basée sur les cas. C'est un nouveau programme intégré de la surveillance épidémiologique que l'OMS a proposé et préconisé qui prend en compte en un seul programme un ensemble de maladies. Plus de 7 à 10 maladies sont intégrés. Donc, quand vous ouvrez le formulaire, il y a une partie diagnostic clinique. Quand vous tapez le nom de la maladie, ça va vous afficher les restes des informations sur cette maladie concernée. Si vous changez de maladie, donc les informations sur cette maladie-là vont disparaître. Donc, c'est pour maximiser le programme, pour un peu décharger les trackers. Comme on a dit que les trackers sont toujours tout, au lieu d'ouvrir 8 programmes en même temps, vous ouvrez un seul programme. Et ce seul programme va vous permettre d'accéder de 8 à 10 maladies en même temps. Donc, Alice Iragoz avait demandé, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est Alice, si le système des ASC, si c'est utilisé, et puis si les collectes de données sont des données en agrégé. Bon, la réponse est claire. Le système du Mali, les données des ASC sont des données agrégées, parce qu'ils sont au niveau communautaire. Leurs données sont directement dans les données de l'aire de santé qu'ils coiffent. Mais comme on l'a dit, il y a les trackers communautaires qui sont en pilote. Donc, ces trackers communautaires, ils sont en pilote dans quelques districts. Donc, ce sont les données agrégées
ils sont saisis à ce niveau. Sinon, le système qui mal avec les AC, c'est vraiment les données agrégées pour le moment. Robbie avait demandé s'il y a des séances de validation périodique des données ou autre système de vérification de la qualité. Bon, séance de validation des données, je peux dire que c'est pas parce que depuis la saisie, il y a des pour essayer de les règles de validation pour essayer de voir la cohérence et la validité des données. Mais s'il y a des erreurs humaines, par exemple, au lieu d'écrire 100, tu es parti écrire en 20, c'est difficile. Sinon, pour la surveillance, comme vous le savez, il y a des champs qui sont liés, il y a des règles de validation. Quand vous êtes dans les cas, dans le champ cas suspect, si vous mettez 0, vous ne pouvez pas mettre encore un décès parce que c'est 0 suspect, donc vous ne pouvez pas avoir un décès. Donc, si vous mettez un chiffre différent des zéros, la base va vous dire ah, il y a une erreur, donc il faut changer. Donc, il y a des règles de validation qui permettent de voir ça. Mais au-delà de ça, il y a des ateliers, il y a des espaces tels que les revues de la qualité des données qui permettent périodiquement, par mois, par trimestre, de voir la qualité des données et voir corriger les données aberrantes et les valeurs atypiques. Il y a aussi d'autres cas tels que la supervision. Et même souvent, lors de l'élaboration des bulletins ou des annuaires, il y a certaines aberrances qui sont constatées. Donc, ça permet aussi de corriger les données. Ensuite, il y a Arsène Chambou qui avait demandé si l'application des AEC pour l'ONG aussi, c'est une application interopérable avec DHSU. Donc, on dit que c'est une application qui n'est pas de DHSU. C'est pourquoi on parle d'interopérabilité. Mais l'application, on a vu, et c'est vraiment faisable de faire l'interopérabilité avec DHSU. C'était la question de Arsène. Bon, voici un peu les différentes questions que j'avais recensées à mon niveau pour le Mali. S'il y a d'autres questions qui sont ailleurs que je n'ai pas vues, donc les autres cadres du Mali sont disponibles pour donner des éléments de réponse. Je vous remercie. Merci, Ismaël. Je reste disponible s'ils ont besoin de compléments d'informations sur Slack pour continuer les échanges sur Slack. Quoi. D'accord. Merci. Donc, je pense que le reste de l'équipe aussi est là et ils nous entendent. Je vois déjà Mme Traoré qui est là. Qui... voilà. Donc, l'équipe peut te soutenir par rapport aux autres aux questions. Et il y a Patty. Est-ce que tu as relevé certaines questions à ton niveau pour la RDC. Je réponds directement à partir du Slack. OK. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, tu es en train de répondre directement dans okay, le merci. Slack. Oui, d'accord. Exact. OK. D'accord. Quand je viens au niveau de la partie discussion, il y a Saint-Pater qui avait posé, qui veut savoir où retrouver les présentations. OK, donc les présentations, c'est dans les dossiers qu'Agnou a partagé. Mais si vous ne les retrouvez pas, on va vous envoyer les liens, on va vous partager les liens après pour que vous puissiez avoir accès à ces informations. Donc, les différentes présentations qui ont été faites aujourd'hui, en plus de l'intitulé de l'exercice, vous sera partagé. Il y a une question qui m'était adressée par Arsène Tiaoun concernant les politiques de confidentialité, comment la confidentialité, une politique de régulation des données personnelles identifiables joue-t-elle sur l'hébergement des données? Donc, il s'agit de la réglementation au fait des informations personnelles parce que les données en matière de santé, ce sont des données de souveraineté qui interviennent en général et alors que nous savons souvent qu'il y a des informations qui sont sauvegardées sur cloud. Donc, est-ce qu'il s'agit de voir, est-ce que la confidentialité des informations prend en compte le fait que les informations soient gérées au niveau du cloud ou bien au niveau du serveur local au niveau du pays. Donc, ceux qui font les législations, ceux qui tranchent ces informations à leur niveau, ils ont tous les éléments nécessaires à leur disposition et aussi, ça ne se fait pas sans les acteurs réels qui gèrent ces informations.
Voilà. Donc, il est important de prendre en compte ces genres de volets. Est-ce que les données peuvent être hébergées sur cloud? Est-ce que les données peuvent être hébergées au niveau local? Donc, si ça n'existe pas, tant mieux. Mais toujours est-il que quand la question va toujours revenir, les acteurs vont trancher là-dessus et donner les informations nécessaires pour que les documents soient bien appuyés. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question Arsène. Voilà. Ensuite, il y a Gilles Das. Attendez, il y a Soro Dofagan Abou. Oui, c'est une seule présentation qui est dans le fichier. Oui, les restes des présentations, ça va venir. Nous allons mettre dedans. Il y a Gilles Das. Qui a posé des questions. Les MAPI sont traqués avec la plateforme ONA utilisée par l'OMS. Est-ce qu'il existe un lien entre la surveillance basée sur les cas du DHS et cette plateforme du Mali? C'est une question adressée à Ismaël et l'équipe du Mali. Pardon, j'ai pas entendu. Les MAPI sont traqués par la plateforme ONA utilisée par l'OMS. Est-ce qu'il existe un lien entre la surveillance basée sur les cas au Mali et cette plateforme au Mali? Non, pas pour le moment. Est-ce que cette plateforme ONA de l'OMS la même est utilisée au Mali? Bon, pas à ma connaissance, mais les autres peuvent certifier. Ce n'est pas à ma connaissance quand même. OK. La seule plateforme de renseignement de l'information sur la surveillance épidémiologique au Mali, c'est les volets tracker surveillance que les structures de santé remplissent de façon hebdomadaire, c'est ça, non? Effectivement. OK. Oui, c'est ça. Bonjour, Souleymane. Bonjour. Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce que Ismaël vient de dire. OK. Nous n'avons pas connaissance de cette plateforme ONA là pour traquer les MAPI. Et dans le cadre de la mise en œuvre de COVAC, nous venons de paramétrer le formulaire tracker MAPI. Et c'est avec ça que nous allons traquer les cas de MAPI liés à la vaccination COVID, anti-COVID, disons. Voilà. Okay. Sinon, il n'y a pas de relation pour le moment entre ce que vous dites de l'OMS là pour traquer les MAPI et notre base DHS2. C'est exact. OK. Merci. Merci pour l'information, Dr Ouassa. Et je pense que concernant les volets MAPI dans les packages de l'OMS fournis dans le cadre de COVAC, il y a les autres volets aussi qui sont pris en compte. Donc, pour ceux qui veulent aller vers la collecte des informations concernant les MAPI pour les autres antigènes, et c'est disponible à ce niveau aussi. Voilà. Mais personnellement, je ne sais pas aussi si je n'avais pas d'informations sur la plateforme ONA. OK, merci. Il y a Arsène qui a posé une question. Est-ce qu'il y a une garantie que les infos sur les serveurs locaux connectés à Internet soient 100% compatibles? Voilà, c'est la grande question. De toutes les façons, les gestionnaires de serveurs sont les mieux placés pour répondre à ces questions, mais à mon avis, en matière de confidentialité, il suffit de les protocoles pour la sécurisation de l'information évoluent à tout moment et il suffit d'avoir ces informations et que la mise à jour soit faite. Voilà. Sinon, quel que soit le niveau, il y a les Suleymane, le micro est coupé. Suleymane, ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Okay. Je m'excuse, je ne sais même pas quand est-ce que c'est coupé. Okay. Je disais que difficile de la même façon que les développeurs font des protocoles pour sécuriser les informations au niveau des serveurs, de cette même façon, ceux qui font il y a des petits bandits sur les réseaux qui vont mettre. De toutes les façons, je pense qu'il faudrait toujours aller vers cette sécurisation
que ce soit au niveau du client, que ce soit au niveau local, donc que les acteurs de gestion du serveur soient régulièrement mis à niveau par rapport à la sécurisation des données. Ensuite, bon, je pense que de façon globale, c'était les questions. Si je refais un tour encore pour voir. OK. Donc, à mon avis, nous avons fait le tour de toutes les questions qui ont été posées et nous avons 8 minutes dans notre agenda ici et de façon globale, je pense que nous avons fait le tour et comme Jiril l'a dit,